Elle veut dire que j'ai dormi avec la porte de la ouverte. Oui. Mais c'est... Je suis vraiment fatiguée. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce que toi tu veux? Je suis rentrée très tard. Où est la nourriture que je t'ai demandé de rester m'apprêter? J'ai été contrainte de venir dormir affamée. Voilà même l'une des choses qui me font dormir profondément. Maman s'était dit ce qui s'est passé ici hier. Je vous ai attendu, papa et toi, mais vous êtes rentrés très tard dans la nuit. Comme tu m'as demandé de rester faire ton repas là hier, j'ai fini de faire le repas. J'ai pris l'assiette de salade déposée sur la table. Je suis repartie à la cuisine. Quand je ressors de la cuisine pour venir au salon, je couvre sans gras en train d'ouvrir l'assiette et vouloir mettre quelque chose, une bougre. Pardon. Ouais, comme je t'ai dit, si on avait failli arriver jusqu'au moment, elle a commencé à nier. La bougre de quoi? Moi, mais je connais pas. Moi, j'ai suspecté que c'était le poison parce que la bougre était blanche. On a commencé à se discuter là. Jusqu'à ma mère est venue. Venir prendre le côté de Sangra. Donc, tu me dis ici que tu as cuisiné et tu as graissé la table. Oui! Sauf que par derrière, Sangra est venue pour mettre une bougre. Une bougre. Que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas l'identité. Quand elle m'a vu, elle a su sauter, non? Tu m'as vu faire quoi? Tu m'as vu faire quoi? Elle dit que montre. Montre la bougre, la montre. Comme j'ai commencé à persister, ma mère sortit de la chambre et dit que Sangra montre. Elle faisait là comme si. Elle voulait croire que Sangra me montre la bougre. Quand Sangra maintenant montre la bougre, elle dit que la bougre, sinon c'est pourquoi? Elle me dit que c'est le sel. Elle m'a chargé le sel parce que. Comme dans la maison, si on ne peut pas toujours la nourriture fade. Je dis que tu as beau goûter la nourriture si. Est-ce que c'est ton repas pour connaître que c'est fade ou ce n'est pas fade? Que voilà, elles sont parties. Si je comprends bien, le poison circule déjà dans cette maison. Oui! Ça veut dire qu'on cherche à tuer quelqu'un dans nous cette maison. Nous tous. Vanessa est très dangereuse. Attends, dis-moi, est-ce que tu as déjà vu ton père depuis hier? Tu lui en as parlé? Je t'ai dit que lui aussi il est rentré tard, non? On n'a pas encore causé, c'est d'abord venu te dire. Et j'ai même versé la nourriture là. Parce que si il laissait ça sur la table là-bas, tu pouvais venir manger ça. Tomber, et je pouvais manger, mourir. Je mourrais. Oui, j'ai dit que même ça n'a même pas mis. Mieux je pas verser. Et pas verser ça. Mais. Comment tu es bouche bée? Je t'ai dit de me donner quelque chose. Tu es là, tu ne fais que. Faire comme si tu ne parlais pas. Hein? Tu me méprises? Est-ce que c'est le mépris? C'est mon mépris de peau, je l'utilise. Attends, tu utilises quoi? Je t'ai dit où j'ai trouvé ça. Tu dis bien que c'est la dame-ci qui a eu à venir laisser ces choses ici. Si donc maintenant c'est elle, tu sais qu'elle a fait quoi de ce miroir-là? Tu sais qu'elle a traité quoi avec? Tu sais qu'elle a fait quoi dessus? Est-ce que tu devrais encore utiliser ça? Et ça fait partie des preuves concordantes, accablantes, n'est-ce pas, que je devais réunir pour pouvoir, n'est-ce pas, demain réunir peut-être les familles et dire voilà ce que ma première femme faisait à la deuxième femme. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Hein? Qui t'a même dit de toucher ça? Au point où tu as pris ça, tu es venu avec ici. Maintenant, je te demande ça au lieu de me remettre, tu ne me remets pas. Il y a quoi? Elle ne peut rien faire de ça. Tu la connais mieux? Hein? Pourquoi tu t'attaches tant à ce miroir-là? Je l'ai cherché. Hein? Je l'ai tellement cherché. Mais tu l'as cherché, c'est quoi un miroir? Tu peux acheter un autre miroir, non? Où est le problème? C'est celui-là que moi je veux. Pourquoi? Hein? C'est quoi ça? Le miroir là même, tu l'avais. C'est pas toi-même qui l'avais toujours acheté? Hein? Ce qu'on vend maintenant au marché, ce n'est pas la même chose. C'est léger.
ça se casse vite. Cela même si ça tombe, ça ne se casse pas. Mais est-ce que quand tu regardes le petit miroir que tu as là, tu ne trouves pas que c'était un gros miroir qui s'est cassé et qui est resté petit comme ça? Tu l'as même vu à quel moment de ta vie? Ça fait combien de temps que tu l'as? Le miroir là, c'est un souvenir. Souvenir de quoi? Hein? C'est un souvenir que ma grand-mère m'avait laissé. Donc je ne peux même pas me séparer de ça, ce miroir là. C'est un souvenir, c'est un très grand souvenir. Vanessa, tu es en train de faire là, tu fais des choses là qui m'énervent. Franchement, il faudrait que tu saches ça. Je voulais prendre ce miroir, aller récupérer. Je retrouve ma chose. Ta chose quoi? Tu as retrouvé ta chose, c'est toi qui l'as retrouvée. Tu sais qu'elle a posé, elle a fait quoi? Elle a posé les choses ici. Comment? Pourquoi tu fais ça? Moi, je trouve quelque chose. Je t'appelle, tu me dis que ce n'est pas toi. Maintenant, c'est elle. Je veux prendre ce plastique qu'elle a gardé, mélanger avec le miroir là, et puis garder ça comme une preuve. Récupérer. Non, je te dis, je ne suis pas fier. Et comme je vais sortir, je vais prier sur ça. Je vais mettre le bénit sur ça. Donc tout ce qu'elle a eu à faire là, moi-même avec ma bouche, si je vais enlever. Nous sommes déjà tellement en insécurité dans cette maison. Je pense que tu devras en parler avec ton père. Donc même ce matin, tu ne l'as pas encore vu. Non, il est dans la chambre de maman là-bas. Est-ce que moi-même je suis mieux placée pour aller lui dire cela? Je suis même venue te voir comme ça pour que toi tu ailles vers lui et lui dire cela. Non, je vais seulement lui dire parce que à cette allure-ci, comme il ne veut pas comprendre, il faut qu'il s'apprête déjà à enterrer quelqu'un. Il faut qu'il apprête déjà le cercueil d'une personne. Parce que je vois que c'est ce qu'il veut pour vraiment se décider dans cette maison et pour comprendre des choses. Là, ça devient grave. Et que Vanessa cherche à tuer quelqu'un. Et elle va employer tous les moyens. Tous les moyens possibles pour éliminer. Tu sais pour qu'il n'y ait pas d'obstacle devant elle. Comme j'ai eu à te donner la clé de la cuisine. Maintenant, il faut qu'on redouble de vigilance. Maintenant, même si ce sera comme ça, quand tu es à la cuisine, tu ancres, tu finis de faire manger. Tu manges là-bas, tu ressors, tu fermes la porte. Les mamies restent même vives. Mm-hmm. Parce qu'un jour, elle peut même casser la porte, il n'y a personne ici. Elle change les vachettes, elle met son poison. Là, c'est dangereux. Très dangereux. Je ne peux pas même plus savoir. Mm-hmm. Donc, quand moi, je veux manger, genre que je fais rapidement, en tout cas manger, je finis de manger, je lave mon assiette, je lave mon ami. J'espère que même l'assiette là n'est pas remontée, parce que si elle est remontée, j'ai quand tu sors là... J'ai fini de laver ça là-bas. J'ai fini de laver même l'assiette. Non. J'ai laissé ça sécher, c'est encore dehors. Quand tu sors là, il faut même la jeter. L'éponge même que tu as utilisée pour laver cette assiette, ne revient pas avec cette éponge dans cette maison. Mm. Moi, vraiment, là, je dois j'ai me méfier. Je ne sais pas ce que ta mère nous réserve et ce qu'elle prépare, surtout ce qu'elle complote avec sa laine de fille là. Et la laine de fille là. En tout cas, si c'est comme tu m'expliques là. Là, j'ai faim. J'ai terriblement faim, mais c'est pas grave. Pas de ma faute. Tu as bien fait le repas. Parce que cette histoire de poison, si j'en sais quelque chose, des personnes sont mortes dans ma famille à cause du poison. Donc vraiment, je ne m'amuse pas avec. Non, tu as très bien fait. Ça va. Je vais encore me reposer un peu là. Et puis tu iras voir papa. Oui, je vais chercher. Alors voilà, je vais lui dire ça avant, parce que là, après alors, ça pue, après ma fille, merci. Ne prends pas conscience, continue de chercher tes preuves. Tu auras tes preuves avec une autre belle preuve sur la main. En tout cas, mon pose avant quoi. En sortant là, s'il est là, je le vois. S'il n'est pas là, je continue ma route. Dieu seulement dit, tu vas enterrer des morts dans ton histoire-ci. Dans tous les cas, moi je te dis, je vais sortir. Et comme je vais sortir là, il faudrait que tu saches que là, en revenant, je vais voir un ami. En revenant, je vais trouver le miroir à poser. Il faut que tu me donnes ce miroir là. Je ne vais pas entendre. Non, regarde-moi bien. Il faut que tu me le donnes. Tu t'es mis derrière depuis quand? Je ne vais pas me mirer, je dis, je vais garder ça parmi les preuves. Hein? C'est quelque chose de flagrant. Tu as déjà assez de preuves. C'est déjà assez. Qu'est-ce qui est assez? Ce n'est pas le miroir là qui va te servir de preuve. C'est toi qui décides des preuves que j'ai réunies.
C'est ton miroir, c'est le tien. C'est toi qui décides des preuves que moi j'ai réunies. Si elle ne trouvait pas ça, je ne trouvais pas ça ici. Tu allais retrouver le miroir là comment? Je pouvais prendre ça et casser. Mais j'ai dit non, je ne casse pas, je garde tout ça. Ce sont des preuves que j'aurai demain à utiliser contre la personne qui a fait ça. Maintenant, tu dis avec que c'est tout toi. Ce qui est dans le maintenant, tu dis que c'est elle qui a fait ça. Miroir. Parce que c'est le miroir là qui manque maintenant à ce plastique-là. Toutes les autres choses sont là. Elle est allée avec dans la chambre là. Ça manque pour que ces trucs doivent bien fonctionner. Ça manque pour que je réunisse toutes les preuves. Tu ne comprends pas quoi. C'est quoi? Je te dis quelque chose, tu ne comprends pas. C'est parce que tu avais les preuves. D'ailleurs, mais moi, je pensais que tu venais ici peut-être me dire que tu as déjà eu l'argent là comme ça. L'argent de quoi? On ne va pas se marier. On ne se marie pas. On va se marier, mais avant de nous marier, il y a beaucoup de choses à tirer au propre. Pour le moment là. On va se marier, je vais te donner de l'argent pour que tu fasses toutes les choses dont quand tu as envie de faire. Tu vas me donner le temps, tu ne fais que tourner. Un temps là, tu te précipitais. C'est toi qui partais, tu faisais ceci, tu faisais cela. Maintenant, tu dormais même dehors parce que tu partais à cause du mariage. Maintenant, tu ne penses même plus. Maintenant, c'est seulement le miroir qui t'intéresse. Trouve-moi le miroir là quand je vais rentrer. Moi, j'ai besoin d'argent, j'ai trouvé la robe. J'ai compris, je vais te donner l'argent, mais attends d'abord que je finisse de régler cette situation. Ça, c'est important. C'est une histoire de pratique là, c'est ce que je suis en train de comprendre. Les choses qui sont enfermées dans ceci sont enfermées dans cela. Moi je pense même qu'à ce rythme-ci, je risquerais d'aller vers le prêtre si même on peut me donner des prières qui peuvent tuer la personne qui fait ça. On la tue, ça passe. Tu comprends un peu? Mais on tue cette personne-là. C'est ce que je vais faire finalement. C'est quoi là? Tu mets le miroir là, je vais voir ça quand je rentre. Je ne vais plus comprendre ça. C'est quoi même? Maintenant c'est une histoire de miroir. En tout cas, tu vas venir trouver le miroir là, comme c'est le miroir que tu veux. Tu vas venir trouver le miroir. Tu pensais que fabriquer les miroirs petits comme ça, ça me dépasse. Tu vas venir trouver le miroir. Et quand tu vas avoir le miroir là, tu me donnes l'argent. Non, tu ne te donnes pas le miroir là. C'est une histoire de quoi? Maintenant, tu es en train de tourner maintenant autour du miroir parce que les grilles sont sorties. Maintenant, tu veux t'accrocher sur ça. Donc, tu penses que je ne vais pas voyager. Je vais rester là, continuer ma vie avec toi. Tu te fous le doigt dans l'œil. Je vais sauf que partir. Et tu vas me donner l'argent là. Je vais fabriquer le miroir te montrer. On n'est même pas bien. Toi qui me regardes, toi, oui, toi qui apprécies ce que je fais, t'es-tu déjà abonné? Si ce n'est pas le cas, lis juste en bas. Tu vois le nom, Rob le Grizzly fait son signe. Va et tape ça sur YouTube et abonne-toi. Merci. Tu es venu chercher quoi ici? Tu es seul? Oui, je suis seul. 100 euros. Je suis quoi, 104? Vanessa est où? Je ne connais pas. Mon père où? Et qui? Tu es inspecteur de police. Ça pourrait faire. Hein? Il a dit qu'il n'y a personne et personne n'est là. Attends, c'est quelle façon même de me parler comme ça? Je suis venu chercher quoi ici? Mets-toi dehors, tu cherches. Parle-moi bien, parle-moi doucement. Et t'es venu être? Tu as vu qui naître? Toi? Qui? Et tes vignettes, et tu as grandi devant mes yeux. Et j'ai participé à ta naissance. Ouh. J'ai acheté les couches. Mmh. J'ai acheté ton lait. Et puis quoi encore? Et tu me parles comme si on était des camarades. Et devait te parler comme si on était quoi? Et tu es mon père. Mais fais-toi. Hein? Je peux pas te fouetter ici. C'était avant. Je t'ai dit c'était avant. Et tant que seulement tu vas voir, c'était avant. Attends, arrête-moi ça. Arrêtez quoi? Tu comprends? Tu viens me chercher quoi ici? Tu viens seulement pour détruire le foyer de ma mère si même comment c'est comment avec toi? On t'a envoyé.
Elle est dans son foyer, demain tu cherches quoi ici? Attends un peu. J'ai ma fille ici. J'ai ma fille ici. Ça, on ne vit pas ici. Elle vit cela. Et si tu es obligé d'arriver cela, tu as appelé. Qu'on pâche les gens, on avise. C'est ici que tu avais fait ça, non? C'est ici que ma mère t'en marche, c'est eux. Quand tu viens dire qu'il y a ma fille, c'est ta fille ici. Tu veux te bafler comme ça, là. Ah! Hein? Tu vois d'abord comment tu es loin là-bas, en bas là. Ah! Méfions-nous. Méfions-nous. Pardon, pardon. Ne crie même pas sur moi là. Ne crie même pas sur moi là. Je t'ai dit que c'était avant, mais tu baisses aussi ton doigt là. Ma tension est en train de monter. Ce n'est même pas encore monté. Ça va bien monter. En tout cas, c'est même pas pour ça que je suis venu. C'est là, je suis venu chercher Sandra. Tu dois partir avec elle. J'ai bien dit que Sandra n'est pas là. Si tu veux Sandra, va chercher ta fille dehors. Va l'attendre là-bas. Sandra n'est pas ici. Ok. Entre quand même là-bas à l'intérieur, tu prends l'acte de naissance, tu es me donné. Tu parles de quel acte? Quel acte de naissance, comment? C'est ton acte de naissance, il y a ton acte de naissance, gardé cela. L'acte de naissance de Sandra, la dernière fois que je suis venu cela, je lui ai donné l'acte de naissance. Elle m'a dit qu'elle voulait faire la carte nationale d'identité, je lui ai donné l'acte de naissance. Ok! Donc c'était vrai. Donc tu es arrivé jusqu'ici là pour venir donner l'acte à Sandra. Donc tu n'as même pas peur de mon père. Attends, il faut que tu n'as même pas peur de la mort. Il faut que le faire. Il boit le volcan avec la queue en plastique. Il puise de l'eau avec la passoire. Tu ne peux que rire. Parce que si moi, je pouvais te charger à l'épaule, c'est que tu es agité ici dehors depuis. Et tu restes dans ton nom comme ça. Parce que les anciens sont en train de m'arrêter. Tu pourrais te faire quelque chose ici là. Tu veux peut-être que les mères ne viennent pas gronder ici. Ne gronde pas dans la maison de mon père. C'est parce que je connais comment on paye un loyer, une femme ici là. Ma mère t'a demandé d'arriver ici chez elle. Hein? Et t'as dit qu'il n'y a personne ici. Tu venais prendre tes deux pieds et sortir. Toi, tu es placé ici. Tu attends l'acte. Tu attends l'acte. Appelle ta fille, elle va venir te donner son acte. Comme tu as grandi là, tu penses que. Oui. On doit marcher comme toi tu veux. Oui. La reine ici, sortir. C'est moi. La maison de mon père, c'est moi la reine ici. Tu ne connaissais pas ça. J'écris ici comme et quand je veux. Ah, oh, encore là, tu vas prendre là. Entre. Viens m'arrêter, papa. Viens m'arrêter. Va prendre l'acte. Tu m'avais remis quelque chose. Quand tu donnais l'acte là, j'étais là. Quand tu viens me demander l'acte là, j'étais là-bas. De toutes les façons, hein. Je reviendrai. Reviens. Tu sais, non. Qui va même encore t'ouvrir la porte? C'est parce que tu n'as même pas bien vu. Comme j'étais en bas là, si tu étais en bas, oh non, c'est comme toi. La porte, tu devais bien serrer ça. Tu sais que c'est grâce à moi que tu as grandi. Je t'ai acheté le lait. Tu as grandi, maintenant tu peux pas. Si j'étais pas là, tu pourrais même vivre. Fais la facture. Tu pourrais vivre. Il a dit que fais la facture de tout ce que tu as eu à faire pour moi. Mon père va te donner la jambe. Il m'a rien d'avoir bien. Regarde où nous sommes. Tu es où? Vois le luxe. Regarde un peu ton machin là. Quoi? Une petite enfer là. Tu vois ici, tu viens au paradis, tu en bois. Il doit l'argent de tout ce qui est ici. Hein. Il doit à qui? Il ne le voit pas comme tu il le est venu prêter ça chez vous. Il te dit c'est. Il est venu prêter ça chez vous. Hein? Fais tu même quoi? Hein? Répète peut-être quelque chose. Hein. C'est parce que tu respectes. Hein. Parce que tu as seulement fait le fœtus là avec ma mère. Le machin là. Ce que tu respectes petit seulement. Sors! Dehors! Tel père, telle fille. Voilà! Il m'a bien éduqué. Laisse le poignet là, moi je vais fermer. Sors. On met un coup là-bas. Maman avait même vu quoi sur l'homme-ci. Il savait seulement faire ça à comment elle le portait. C'était seulement comment le jour-là. Qu'elle pèse sa côte. Pèse. Maman, tu me souilles. Viens encore ici là, peut-être verser le chaud. J'ai dit, le coup fusil là, le coup baisse n'est pas encore parti. J'espère que ce n'est pas toi. Parce que si c'était toi, je vais te donner les talons sur la tête. Non, je veux bien que tu aies un père. Sincèrement, je veux bien que tu aies un pain. Tu as la chance que c'est toi. Même comme tu es couteau comme ton lait là. Mon père encore fait quoi? Lui-même, souvent quoi? Il m'a quoi, comment?
Vous avez demandé au machin là de venir faire quoi ici? Agathe, parle avec un peu de retenue. C'est quoi? Arrête de regretter mon père de machin. En plus, il est venu faire quoi? Maintenant, je me pose la question. J'espère que tu n'as pas manqué le respect à mon père, Agathe. Non. Parce que tu es là-bas trop insolente, immature de ton état. Tu, là, tu manques le respect à tout le monde. Tu ne respectes personne. Même toi, tu n'arrives même pas à te respecter. C'est Et puis, j'ai demandé à ton coup-fus là de ne plus remettre ses pieds. Si toi, tu vas lui donner ou c'est l'acte de naissance, ou c'est l'acte de divorce, ou l'acte de mariage, c'est dehors. Ton père et toi, vous voyez là-bas dehors. Et ma mère et toi, parce que c'est même pas ce que vous faites en précis. C'est que ta mère même fait encore ici dans la maison. C'est parce que moi, je dis que ne blague plus avec vous. Ça va aller loin. Ça va aller loin où? Tu sors de... Eh, pardon, tu n'as même pas eu la question à me poser. Tu es qui? Fais machine de la police. Je sors de mes cours, ça te va? Je suis dans la maison de mon père. Je dois connaître tout ce qui se passe ici. Là, il est trop parfait. Eh, pardon. Regarde comment j'ai habillé. Tu n'as pas fait la bordellerie. C'est ton tu corps. Tu mets l'école devant. C'est ton tu corps. Tu trompes qui? C'est ton corps. Ce n'est pas mon corps, c'est donc dehors que tu vas faire ça. Le camp avec. Ce n'est pas l'image de mon père que tu vas venir salir ici. Père, tu n'as pas l'air comme ton père. Vous devez vous être laid. Oh, il n'y a pas de problème. Ton père ressemble à quoi? Ah, un cadavre. Un cadavre mal maquillé. Lui, c'est qui? Il est quoi? Tu as un il est combien? Un quoi? Tu as le père, la maison de mon père. C'est mon père. Une maison. Va dans la maison de ton père. Et c'est la maison de mon père. Dès que ça me dépasse. Va donc. Et dès que je suis ici parce que ma mère est là. Je ne sais pas parce que ma mère est là. Toi, tu es même quoi? Tu n'as pas de bouche. Tu n'as pas de bouche. C'est quand tu voulais partir. C'est quand tu allais partir. C'est tellement le luxe. Tu veux rester dans le luxe. L'eau qui sort du mur. Tu pensais que tu allais porter le seau et la savonnière. Oui. Là-bas, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis pas dans un foyer polygame. Tu allais à la sorcellerie. Les toilettes là-bas, mais c'est la musique, c'est la musique. Ça fait combien d'années que tu es ici? Les choses ont changé. Les choses ont changé. Donc arrête un peu de mettre l'ancien couple là dans ta tête. Ma peau a même changé. Toi, tu es même quand même sans te mettre à le lustre. Tu restes tout laid et sale. Il n'y a pas le souci. Ich, tu sors d'où? Et toi, tu sors. Arrête de me poser des questions. Sangre. Mon père, mon père. Il fallait te laver. Je me lave pas. Quand on finit sans faire les bêtises, on se lave. Tu ich. On était ensemble. Il faut être hygiénique. On était ensemble. On était ensemble. Tu penses qu'on ne connaît pas les petites choses que tu fais, les petites saletés que tu fais dans le quartier ici là? Tu penses qu'on ne connaît pas? Respecte-toi. Respecte-toi. Une femme se respecte. Elle est digne. La dignité, tu as pris ça de nos chiens. Ich. Tu ne peux pas me regarder. Parce que je sens même pas. Agathe, fais un peu ta bouche. Ah, écoutez. Écoute. Arrête un peu de me manquer de respect. Sinon, comme tu es la première fille de ton père, je suis aussi la première enfant à mon père. Dans l'aîné, là, nous tous, nous sommes. Nous toutes là, nous sommes aînés. Donc arrête de me parler d'aîné et de respect. Dans la maison de ton père que tu as dit que tu es né ici, là, tu es seulement la queue et la queue. Puis je vais pas avec. Moi, c'est la maison, tu n'as pas de maison. En plus, comme louer, en plus, comme ton père donne encore l'argent ici, il a construit. Je vais manquer à les parties de la maison. Me parle, n'importe quoi. Il est graisse, la bête si. Réfléchis, mais souvent, tu loues où? Tu loues où? Dis-moi un peu, tu loues où? C'est quel souillu ça? Réfléchis, mais souvent, on loue où? On loue. La seule chose qu'on paye dans la maison, c'est un col, l'eau et le courant. La maison, si on ne paye pas. Tu étais là. La maison que mon père a construite. Avec la sienne de son poids. Elle table la poitrine là, il a construit. Tu étais là. Tu as même porté le bâton. J'étais obligé de porter le bâton. Regarde-moi les dieux. Regarde-moi les dieux. Regarde-moi les dieux. Regarde-moi les dieux. Tu es une différence entre toi et moi. Moi, je mange. Moi, je vais d'abord travailler avant de manger. Ton père, c'est qui? C'est qui? J'ai seulement dit que quand elle venait là, elle aurait dit que non, si c'était lui, j'allais lui donner les taloches comme ça, ou bien que. La malédiction que tu allais porter, elle est incontournable. Sur qui et sur quoi? Je ne le vois même pas la voix. Même si il a la taille de la souris, c'est quelqu'un. Quelqu'un. Arrête ça. Ton père, là, il est long là-bas, oui, ça va quoi? L'homme est posé. Il est posé. Quand tu vois, mon père, tu respectes. Va te laver, pisseuse. C'est même pas si tes gars la connaissent que tu pousses en bas au lit, pisseuse. On va se faire ça dans la maison aussi.
Maman, depuis que toi tu étais au marché là, tu es seulement parti acheter tout le marché. Mais c'est pour ça que tu m'attends ici là. Non, maman, je suis fâchée. Je suis bien fâchée où tu me vois là. Oh, le problème de cette maison, le poussé, c'est quoi? Puisque toi qui rentre de l'école, Agathe m'a crié à la porte en me disant que mon père était là et qu'elle a chassé. Que ton père était là? Oui. Il est venu faire quoi ici là? Tu l'as encore appelé? Il est venu voir sa fille, non? Est-ce qu'il a le droit d'arriver ici là sans me dire, même sans m'appeler? Hein? Il n'en a pas déjà fait assez. Donc il doit d'abord t'appeler avant de venir me voir, maman. C'est le chelou ici. C'est quel raisonnement ça? Comme Agathe l'a chassé là, elle a bien fait. Ma, tu vois, non? Tu vois comment tu es, non? Je vois quoi? Donc comme je comprends maintenant, tu es maintenant du côté d'Agathe. Quel côté? Côté d'Agathe tu parles? Jusqu'à donc tu vois, tu sais ce qu'il a dit? Si ton père, il arrivait que ton père le trouvait là. Quel père? Ton mari. Ne confonds pas les choses. Mais s'il aurait vu, mais quel problème? Il aurait su la vérité, c'est quoi? Il aurait su la vérité. Ah, tu as pensé à mon voyage? Hein? Ton père va me donner l'argent là. Attends, tu lui as demandé, après il ne t'a pas donné. Hein? Il a d'abord quel argent? Demande d'abord. Si ton père avait l'argent, j'allais le quitter. Tu as quitté mon père parce que ton mari est encore revenu te grailler et que tu as vu que ton mari avait déjà l'argent. Tu n'as pas quitté mon père parce qu'il n'avait ton pas père l'argent. Ton père là, il a déjà assez fait. Ça suffit. Non, moi je ne suis pas. Moi, il n'aime pas ça. Il ne doit pas débarquer cela comme il veut. Quoi, c'est mon père. Tu c'est peux, mon père. Tu peux prendre tes pieds. Tu pars là-bas. Et s'il y a un souci, maman? Ok. Quand elle va partir, tu vas te plaindre. Moi, tu sais comment elle part chez mon père. C'est au creux, mauvais, moi, mais une semaine propre. Après qu'elle va rentrer, tu vas ramasser pour faire ton mari. Il va encore venir me questionner là comme si il était de la c'est police. C'est bien voulu comme il est parti. C'est bien. Il vient faire quoi ici là? Hein, ouais. Sandra? Tu vois pas que ton père la dérange? Il dérange. Il exagère même déjà. Il vient ici comme il veut, quand il veut, c'est chez lui ici. Il vient voir sa fille. Non, je ne suis pas sa fille. Toi, tu il peut t'appeler en route. Tu as un téléphone, il t'appelle, ou bien tu le rejoins chez lui. C'est quoi? Il a pu venir voir sa fille. Il doit faire des challenges. À cause de lui, la dernière fois, le problème que je suis dedans ici, là, c'est à cause de lui. S'il n'y avait pas les histoires de actes de naissance et montées et tout là, nous voici, je suis en train de relier les trucs à ma tante, ça ne donne même pas. Tu viens encore ajouter l'autre. Jusqu'à tu te fâches même. Il n'a pas fâché quand même, c'est mon père. C'est mon père, oh. Même on si il est long là-bas en bas, c'est mon non. Père. Tu ne dis pas non, c'est ton père. Arrêtez de lui manquer le respect. Tu as le droit. Lui-même, il a le droit. Mais ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici, votre tu droit. Tu peux aussi là, me combattre. Il va partir. Ce n'est pas question de te combattre. Fais, tu prends ton voyage, moi et pas. Parce que moi, je ne me vois pas rester ici. Dis que j'ai fait tout. C'est pitié de moi. Je suis là, je me lamente. Je ne sais même pas comment je vais faire. Hein? Ne crois pas que ta soeur a bien fait. Elle a qu'elle bien fait. Jusqu'elle insulte mon père. Jusqu'elle dit que si mon père revenait encore, elle allait le cogner sur la tête. Est-ce qu'on fait ça? Elle veut porter main sur mon père. C'est l'histoire de quoi? Ok. Parce qu'il dérange. Il fallait juste qu'elle essaye ça. Si tu allais trouver le feu dans ce que vous appelez maison aussi. Parce que je ne vois même pas si elle peut donner ça le nom que maison. Si elle pouvait même le faire, je devais être très contente. Maman, tu vois, ne me parle plus. Ne me parle plus, maman. Tu as encore ton machin, non? Il dérange, il exagère. Qu'il arrête de venir ici, là. Il faut lui dire ça. Qu'il ne doit pas même être cassé dans les problèmes comme ça. Comment? Père dérange. C'est mon père. En montant de ça, c'est mon père. C'est mon cœur là-bas. Personne ne doit lui manquer le respect. Bon, si tu viens aussi là, tu prends aussi le côté d'Agathe. On va voir ceci dans la maison. Si Agathe ne meurt pas, on change mon nom. On change mon nom. Agathe, Dieu merci que tu sois là. Maman, elle m'écoute. Ce n'est plus le temps de corona. Il était porté dans mon ventre 9 mois. Est-ce que c'est encore dans ton ventre, non? Mon bébé. Bébé. Tu te rappelles quand tu me donnais les coups de poing comme ça au ventre? Tout, 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 tout. Je me rappelle, papa. Donc tu veux quoi? Il y a quoi maintenant que tu m'appelles mon bébé? Depuis quand? Ça se m'a glissé. Tu es mon bébé. Mon premier bébé. Tu m'as montré ce que ton premier bébé, ton amour éternel, ce sangre-là.
Pardon. Si tu viens pour quelque chose, dis-moi. Ça fait combien de temps que tu m'as pas appelé mon bébé? Tu viens me flatter par rapport à quoi maintenant? Parce que ce sont les flatteurs. Je te vois venir. Agathe. Agathe. Crache le morceau. Agathe. Ça, comment que tu c'est comment avec les nez? C'est même quoi que tu as dans, avec moi dans la maison ici là? Je suis ta mère. Je suis ta mère. J'étais portée dans le ventre si 9 mois. C'est tu me donnais les coups de pied. Tu me faisais ceci. C'est la récitation alors. Tu veux la chute, je dois te payer. Je te paye. Ok. Je te paye combien alors? Ah. Tu veux quoi? Je sais que ta fille t'a dit que j'ai chassé ton lait passé là. Il a pris soin de toi. Quand tu as payé dans lait passé, il a pris soin de toi. Et tu étais maigrichonne comme ça là. Ah, il a pris le poids dans la maison de mon père. Ma poids m'a changé dans la maison de mon père. Pardon. Agathe, pardon. Ne dis pas ça à ton père. Pardon, je t'en supplie. Je comprends maintenant où ton bébé venait. C'était que tu allais venir tomber si je ne dis pas ça. Pardon, quand on est en train de parler les choses sérieuses, ça ne fait pas rire. Tu ne me dis pas les choses que je dois faire ou que je n'ai pas fait dans la maison de mon père. Pardon. Je vais dire à mon père que le pourrait passer l'été sur le sorcier là. Association des lèvres. Tu ne peux pas dire ça. Toi-même, tu sais que j'ai besoin d'argent. Ton père va me donner l'argent pour voyager. Ah, non, tu d'abord, espoir. Je voyage, non. Je t'ai dit que tant que je suis ici. Négocie même avec ton père pour qu'il me donne l'argent, je pars. Tant que je suis ici et tant que je parle à mon père. Pour finir, penser, maman, tu m'auras. Pour finir, pour toi, ton problème, c'est quoi même dans la relation? Que tu dois seulement sauf que perdre que partout. Négocier avec ton père, il me donne l'argent, je paye, il me laisse avec votre maison. Quel argent? L'argent de qui tu connais comment on travaille l'argent? Tu m'en vas en Italie me chercher. Italie. Là, comme ça, je on te fais mon dé. Le mot là, tu veux même le crash va te prendre là-bas en haut, l'argent de mon père. Tu vas aller prendre l'argent là, non, pour voyager avec, mais si c'est l'argent de mon père, tu as menti. Pardon. Tu ne veux pas me déranger. Pardon. Je parle, j'ai dit que je vais dire à mon père, même si tu veux même tu parles avec le feu sort je dans ta bouche. Je ne peux plus changer. Ne pas. Tu peux d'abord me payer. Il ne veut même pas me payer pas. Comme pour toi, c'est parti en italien. Sache que tu vas rester ici au Cameroun, faire les litanies dans ta vie. Ta vie là. Tu connais faire la nouvelle, non? Tu vas faire les litanies là, Marie, jusqu'à. Ça va finir. Non, c'est ton souhait. Oui. Agathe, pourquoi tu ne veux même pas mon progrès comme ça là? J'ai voulu ton progrès, maintenant je veux seulement que tu tombes. Quand tu vas tomber, elle est contente. Est-ce qu'elle va te mentir? C'est bien de donner son adresse. Donc, déjà, si tu vois mon cadavre en route, et tu vas traverser. Je ne vais pas traverser parce que tu seras à mort. Donc, tu vas plus pouvoir me faire quelque chose. Je vais aller t'enterrer dignement. Donc, c'est pour dire que je suis la mauvaise. Il t'en supplie. Pardon. Pardon. Mais maman, c'est quoi? Toute la haine que tu as pour moi là, il est même à genoux. Mets ça de côté. Ne te mets pas à genoux devant ma pardon, même si tu fais même la roulade avant et arrière. Tu me donnes l'argent. Tu me fais la sorcellerie. Tu me fais la sorcellerie. Pardon, je lui dis quoi? Je vais dire à mon père, fais même la roulade arrière là. Pardon, Agathe, tu parles seulement en bâtard. Hé, comment a venu ça? Hé, Agathe, pardon, non? Hé, ça cuit.